Allez, salut tout le monde, c'est Tazeric Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 178 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous d'un épisode précédent les amis, on s'était attaqué à nos tâches Pokédex avec Castorno. Donc souvenez-vous, on avait un petit peu débuté, c'était compliqué parce que la recherche était plus longue parce qu'on savait pas où, dans quelle zone il y en avait le plus. Donc on avait dû faire 3 ou 4 zones il me semble pour du coup tenter d'avoir dans quel endroit où il y en a le plus pour farm de façon un peu plus tranquille, parce que vous avez vu, il y en a de partout en fait, sauf dans le contrefort couronné, mais il y en a dans la plaine obsidienne, il y en a dans les terres immaculées, mais dans la plaine obsidienne je crois qu'il y a une version baron il me semble, il y a la côte lazuli et le marais carmin tout simplement. Et le marais carmin, alors qu'il y a 3 zones, en fait il n'y a pas 3 zones avec des castorneaux, il n'y a que des conotors. Donc écoutez hein, c'était comme ça, il fallait patienter. Et donc du coup aujourd'hui on va tenter de continuer. Alors c'est sûr qu'on le finira pas aujourd'hui, mais voilà, on va tenter de continuer. Vu qu'on sait maintenant où elle est, enfin où se situe la zone, on a juste à faire les nombres, enfin un nombre d'aller-retour assez conséquent, enfin assez conséquent pardon. Et puis voilà. Béflam Frambi, ok, j'ai lu Flambi moi. Béflambi, what the fuck. Thank you. Bon ben les amis, c'est parti. I'm gonna get for you. Nanana, get for you, girl. Nanana, nanana, nanana. Nanana, 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 nanana. Alors du coup, je suis là, je vais vous attraper. Voilà. Allez, retourne-toi, juste pour te prendre par surprise. Oh, il voudra pas, si. Voilà, ça permet d'avoir un peu plus de chance, mais près. D'avoir un rôle supplémentaire, parce que j'aime pas jouer, enfin j'aime pas le mot chance maintenant. Bon lui il va être chiant. Allez, s'il te plaît. Ah bah voilà. Écoutez, pour le moment ça se passe bien. Allez, du coup on continue hein. Donc il y en avait ici, proche de l'eau. Donc là, putain, il n'y en a pas en version baron. Hein. Ils veulent pas popper. Hein. J'ai juré, ils veulent pas popper en version baron. Ça va être compliqué cette histoire, je vous le dis. Oh non. Mais c'est qui m'a repéré? Mais cassez-vous! Oh putain, j'ai pété le pont. Je vais péter le pont. Il a réussi à esquiver mon attaque, il est con. Style puissant, tu sais quoi? On va te régler ton compte, les T-Raptors là. Les tout raptors. Il est fou lui. Peut-être au milieu du chemin. Oh coucou, hein? Ok. I'm Kelosaf. Le fils de pute. Mais je pense qu'on va pouvoir le tuer parce qu'il a baissé sa défense. Enfin, ça a baissé sa défense, donc du coup, je pense que là, il est mort. Hein. Ouais, first. Bon, par contre, relou, hein, ce Pokémon. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais putain. T'es débile. Oh. C'est épuisant, hein. Mais je crois qu'en plus on doit les faire, donc finalement voilà, bah du coup il manquera plus que les trucs avec les Pokémon et ça sera bon. Alors par contre toi là, s'il te plaît, me fais pas chier. Merci. Please. J'ai dit quoi? Ok. Alors allez, s'il te plaît. Merci. Bon bah let's go, on retourne en bas. Bon par contre ça serait bien qu'il y en a des barons quoi. L'aire de pâturage sera bientôt pleine. Je sais pas ce que c'est l'aire de pâturage, j'ai juré Grotte de retour. Ah nanana. Hôtel de nanana. Vous avez craqué, c'est quoi l'aire de pâturage? Alors c'est peut-être pas ici hein. Guide aventure. Est-ce qu'il y a l'air de pâturage là-dedans? L'air de pâturage. En fait, je les vois même pas, donc à partir de ce moment ils sont bien gentils les pépères, mais bon tant pis. Du coup dormir,
jusqu'au soir. Et après, on va dormir jusqu'au matin. Bon, bah écoutez, hein, on continue. Sachant que c'est sûr qu'on le finira pas aujourd'hui, mais peut-être on le finira la fois prochaine. Or, dimanche, évidemment, vu qu'il y a 3 épisodes cette semaine. Sachant qu'au cas où, logiquement, il me semble qu'il y en aura 2, en revanche, la semaine prochaine. Parce que vous savez déjà, les gros plannings, hein, ou les extra plannings, il y en a maintenant toujours 2 depuis quelques semaines. Hein. Comme je vous ai dit, maintenant, ce let's play, je l'estime plus prioritaire. Donc, c'est pour ça que je le laisse un petit peu de. Pas de côté, mais c'est mitonné vu que je vous en fais toujours pour le moment 2 vidéos par semaine. Mais voilà, c'est. Dites-vous que c'est pour ça que je ne me. Là, vraiment, ça me permet de m'autoriser des petites un peu, des petites folies de temps en temps. Et après, rien ne m'interdit d'y revenir en version prioritaire, tout simplement. En version prioritaire. Bon, par contre, s'il te plaît, baisse-toi. Par contre, voilà. Bon, par contre, les versions baron, ils veulent pas. Hein. J'ai juré. Je sais pas ce que je leur aurais fait, mais ils veulent pas. Hein. Ok. Merci, 13 sur 25. Parce que si on en trouve un format baron, on est obligé de l'attraper. Hein. Je vous le dis, on doit pas le tuer. Hein. Ah, mais il va y avoir les tout raptors là, à la con, non? Il y a Tchan, lui, voilà, il est là-bas à perpétuer. Il a failli me repérer, ce con. Ok. Putain. Ça me termine, c'est le seul que j'arrive à l'avoir par surprise et c'est le seul qui s'enfuit de sa Pokéball. Ça me rend fou. C'est le puissant. Allez, oust. Bah écoutez, hein, c'est reparti. Hein. L'aire de pâturage sera bientôt pleine. L'aire de pâturage. Oh, je sais ce que ça veut dire. Ah ouais. En gros, il me reste que 2 Pokémon. Je veux voir ce que ça donne, ce que ça fait au niveau de ça. Si c'est plein. Putain, donc ça veut dire que finalement, avant l'épisode 200, on va devoir trier les boîtes. Et c'est fort probable qu'on le fasse aujourd'hui, en fait. Ah, ben ça, c'était pas prévu, hein. Ah, c'était clairement pas prévu. What the fuck. Bon, ben écoutez, hein, je pense qu'on va pas avoir le choix. Hein. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Get for you. Get for you, girl. No, 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 get for you. No, 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 no. Hop. Ah, donc ça veut dire qu'on va vraiment devoir trier les boîtes aujourd'hui. Enfin, en tout cas, la boîte à Pokémon. Alors, ça veut dire, ça me fait chier parce que ça va durer longtemps. Je voulais vraiment le faire l'épisode 200 parce que j'en étais sûr que ça allait durer longtemps et que du coup, à l'épisode 200, je me dis, peu importe la durée de la vidéo, hein, ça peut durer 4-5 heures, je m'en foutrais un petit peu, entre guillemets. Parce que c'est vraiment les épisodes où je peux m'autoriser cette longévité en termes de durée de vidéo. Mais là, je vous avoue que ça me casse un petit peu les couilles, mais bon. T'es sérieux? S'il te plaît. Ok. Des fois, quand ça saute un rebond, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que je me méfie quand même. T'es sérieux? J'ai pété les blondes. J'ai vraiment perdu 2 Pokéballs parce que ce connard, il a couru quand même. Putain. Mais non. Oh, tu fais chier. Tu fais chier. Ah, je suis. Oh, come on. Merci. Bon. Eh ben dis donc, les formats barons ils veulent pas. Hein. Je sais pas ce que je leur ai fait, mais putain, les formats barons, ils veulent vraiment pas quoi.
Ah, l'aire de pâturage est pleine. Ah, je peux plus lancer de Pokéball. Ah, d'accord. Bon, bah super. Donc ça veut dire que je vais devoir le faire maintenant. Putain. L'aire de pâturage est pleine. Du coup, on va pouvoir voir mes Pokémon. Je pense qu'on peut les voir directement ici. Voilà. Bah, du coup, j'avais pas prévu ça. Tiens, en fait, il faudrait que je organise un peu mieux la boîte. Est-ce que en multi-sélection, si je, par exemple je sélectionne ça, est-ce que je peux le remplacer par ça? Non, je suis obligé de laisser des trous. Ok, donc il faut que je calcule ce que jette et ce, enfin, ce que je relâche et ce que je ne relâche pas. Ça, ça va être compliqué. Wow, ça va être compliqué. Bon, les Cradopo, honnêtement, vu qu'on les a tous faits. On peut les lâcher maintenant. On attendra la version shiny, mais on peut les lâcher, les Gradopo. Vous savez quoi, on va... attendez, je crois qu'on peut... Voilà, on peut faire ça. Et, attendez, il n'y a pas moyen de choisir... Lâcher. Ok. Donc, les Cradopo, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Chenipot, on les a, donc pas besoin. On attendra les versions shiny. Ensuite, on va... Ouais, on va relâcher déjà les Pokémon qu'on a déjà fait en termes de tâches Pokédex. Comme ça, au moins, c'est fait. Genre le Chenipot aussi, le Lixi, malheureusement. Du coup, le Conchignon, c'est fait. Ah non, le Conchignon, lui, c'est fait. Ah oui, c'est fait, mais je crois qu'on va devoir l'utiliser, non? Ah non, on l'a déjà fait, non, c'est bon, on l'a déjà fait. Comme ça, Serfrousse, Castorno, donc lui, on le laisse là pour le moment. Pareil, c'est fait. Match, ok, Castorno. Alors, Étourmi, tout ça, ça part. Et ensuite, il faudra appuyer sur le haut, hein, ne surtout pas l'oublier, donc. Ok, Léonix. Castorno, ouais. Donc l'Elixi, Kenotor, Lexi Chenipot, toi, Kenotor, Mr. Boué, je suis désolé, mais tout ça, ça part. Kenotor, Tormi, ta, Kenotor. Ah ben ça va faire du vide, hein, c'est moi qui vous le dis. Il n'y a que évidemment les Chenny qu'on va pas. Qu'on va pas laisser aller. Et Tormi, Kenotor. Kenotor. Putain, j'avais pas prévu de faire ça maintenant, hein. J'ai juré. Ça me fait chier de faire ça maintenant. Alors, du coup, ça non. Ou ça oui. Ça oui. Après, est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie que je devrais pas laisser certains pour évoluer? Bon, on va assumer les conséquences. Hein, ça, on n'a pas le choix là, hein, les amis. Là, on n'a pas le choix. Hein, donc, dans un sens, ça s'attrape facilement en même temps. Donc, on a attrapé une dizaine, genre dans un épisode farm. Hein, je les compterai dans, comme dans un épisode farm. C'est rapide, c'est réglé et on n'en parlons plus. Hein. Onyx. En fait, il y a trop de boîtes quand même. Ils sont vraiment abusés. Machoc. Ok. Racaillou. Machoc. Nanana. Ensuite, ok. Oh putain. Oh, le nombre de Krixik. Allez. Rose bouton, on les a, les rose boutons. Bon, ça laissera la place pour de nouveaux Pokémon en plus. Mysticram, c'est fait. Mais il faudrait peut-être pas les garder pour les faire évoluer en champant feu. Je sais pas. On va quand même les jeter. De toute façon, on sait où ça se récupère. Autant faire un épisode farm pour ça, comme je vous ai dit. Donc, ça sera entrecoupé d'épisodes farm. Je sais comment je gérerai, donc il n'y a pas de problème. Ok.
importante. Boule de nez, on les garde parce qu'on les a pas finis. Putain, waouh, le nombre. Après, tu m'étonnes, rien que ça, ça me prend une place incommensurable. Vu le nombre de trucs qu'on a dû capturer. Je vais déjà relâcher toute la sélection. Voilà. J'allais dire, est-ce qu'il y a moyen de trier, mais au moins. Ok. Ensuite, c'est pas fini. C'est pas fini. Sélection facile. Allez, on va relâcher encore. Donc, du coup, c'est parti pour la prochaine vague. Onyx. La poreille. Encore, ça continue. Quoi les fiches, c'est fait, hein. On doit attendre la version baron, donc de toute manière. Quoi qu'il en coûte, quoi les fiches. C'est pas quoi le pic, hein, faut pas confondre. Ok. Ça ne s'arrête plus, hein, j'ai juré, what the fuck? Papinox. Ok. Non, pas toi. Certainement pas toi. Alors, baron. Je suis désolé, mais il y a certains Pokémon ici qui vont partir, toi. Les Voltorb par centaines de milliers. Alors là, il faut vraiment pas faire des conneries. Hein. Je vous le dis. Là, il faut bien analyser, bien regarder. Ok. Là aussi, il faut pas faire de conneries. Hein. Lixi. Parce que ça, c'est des. Ok. Les Kunotor. Ensuite, ça. Non, les castorneaux, il faut pas les enlever. Je fais que des conneries, moi. Ça, il faut pas les enlever. Ensuite, voilà. Déjà, c'est bien. C'est très bien, d'ailleurs. Et après, ça continue. Ça ne s'arrête pas. Hein. J'ai juré, ça ne s'arrêtera pas, en fait. Hein. Oh, putain. Putain, c'est la première fois qu'on doit faire ça, quand même, en plein épisode. Hein. Comme quoi, en fait, finalement, d'où l'importance de trier les boîtes, hein. Eh ouais, d'où l'importance de trier les boîtes. C'est là où tu t'en rends compte, en fait. Tu t'en rends compte certes tard, mais tu t'en rends compte, en fait. Aïe, je vous le dis. Charmion, je crois que Charmion, on n'a pas encore fait, il me semble. Quand j'ai des doutes, je les fais pas. Hein. Tac. Ok. Bon. Ok, les amis. Bon, là il faut commencer à trier. C'était pas prévu, mais pas le choix. Non. C'est 187 sachets de sable effort, 187 sachets de cailloux effort, 40 pierres effort, 13 rochers effort. Mais c'est un truc de dingue. Mais c'est tellement bien, en fait. C'est tellement rentable. Ouh, ok. Mais c'est tellement rentable, en fait, de faire ça. Bon, finalement,
On n'a rien perdu dans l'histoire en fait. Au contraire, on a que gagné. Oh putain. les choses qu'on en a. Pour les shiny qu'on voudra augmenter au max, on pourra faire ça. Oh, des pierres forts, des rochers forts, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bon, les amis, on va toujours voir mes Pokémon. Hein, on va voir un petit peu. Déjà, au cas où, il faut impérativement, voilà, faire ça. Non, faire ça. On va renommer. Et là, on va marquer Pokémon différent. Voilà. Il faut, en fait, il faut que je, dans une boîte, je mette tous les Pokémon de type différent. Donc, je vais marquer Pokémon. Je sais que ça prend un E, mais on va l'écrire à la version anglaise. Pokémon avec un S, peut-être, vu qu'il y en a plusieurs. L'abruti que je suis quand même. Aperçu. Non. Merci. Pokémon. Différent. Ah, d'accord. Bon, ben, on va marquer différent. Non. Mais je me trompe. Différents. Bah de toute façon c'est que des Pokémon ici. Donc c'est pas comme des la boîte à objets. On est obligé de okay, on pouvait maintenir des faits rang ouais, bah, je sais plus comment en écrire hein, hein. Désolé les amis, je suis pas très fort en langue française. Et surtout que c'est tard donc ouais, et limite faudrait que je vu qu'il y en a plusieurs, il faudrait commencer genre en fait, un maître numéro 1 par exemple. Renommer. Je suis désolé de faire ça maintenant. C'était pas du tout prévu, mais comme quoi, voilà quoi. Numéro 1. Il est où le petit rond là que j'aime bien là? Il est où le petit rond que je mets en général, même dans les vidéos? Putain, je vois pas. Vous le voyez vous? Le petit rond pour mettre numéro et quelques en hauteur. Non, pas ça. J'arrive pas à le voir. Bon, on va marquer. On va faire ça comme ça. Pour marquer numéro 1, autant être. Voilà. Différent. Donc là, on va mettre tous les Pokémon de type différent. Genre qu'on a donc un Pokémon de chaque type, en gros. Donc genre, par exemple, vu que voilà, il y a un Home au Drive, déplacer. Ensuite, on va déplacer. On va déplacer. Bah, en gros, c'est les Pokémon qu'il faudra absolument faire. Hein. En fait, ça va prendre un temps de chien de faire ça. Donc oui, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Toi, et finalement, toi, tu pars ailleurs. Pas là où il y a les shiny, mais vous voyez, tout à la fin. Voilà, toi. Alors, je suis désolé, mais finalement, est-ce que je déplacerai pas la boîte? Je sais pas, Charmian. Charmian, on l'a pas fait un tâche Pokédex, il me semble. Je crois pas, hein. Putain, j'ai l'Alzheimer, les amis. Vous pensez que... Est-ce que je l'ai fait, Charmian? Non, j'ai pas fait. Non. Je suis désolé, on a commencé. Ça prendra le temps qu'il faudra. C'était pas prévu, mais... voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Je suis désolé, je sais que ça peut ne pas être passionnant, mais c'est comme ça. C'est comme ça, si c'est comme ça. En fait, je suis bête parce que je peux faire ça. Et genre là tu peux faire ça, copier tout et tu le mets là. Et comme ça au moins t'enlèves ce qui est indésirable, genre les voilà, les, genre lui. On va le mettre dans pâturage. Déjà au cas où ça me perturbe trop, mais dans shiny on va enlever tout ça, ça servira à rien. Voilà. Parce que là ça honnêtement c'est plus en train de me péter les couilles qu'autre chose, donc autant enlever hein, autant rendre la boîte agréable quoi. Déjà
Martyr Loot. Donc toi, vous tous là. Vous dégagez. Alors du coup, toi aussi Blizzeroy. Toi, bah, en fait finalement, je vais devoir faire ça. Ah, bah super. Donc j'ai pas le choix. Oh. Oh là là, je vais pas y arriver. Ça va être long, je vous le dis. C'est comme ça et pas autrement. Ok, ok, ok. Dans les trucs de baron, vraiment, est-ce que c'est utile de mettre des barons? Finalement, les barons, honnêtement, je trouve ça pas utile en fait. Il faudrait faire un truc shiny baron, mais pas baron quoi. Donc, vous savez quoi, baron, on va les mettre avec, avec ces Pokémon là. Oh, est-ce qu'il y aura moyen de mettre les Pokémon bien comme il faut? C'est une très bonne. Du coup, j'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Sachant que je vais devoir prendre un peu tous les Pokémon différents. Alors, par contre, pour se souvenir des Pokémon différents dans les boîtes, genre ne pas mettre le même Pokémon à chaque fois, il faudra s'en souvenir de ça. Je pense que là, les amis, ça va être compliqué. Parce que, du coup, attendez, ça m'annule pas les tâches Pokédex. Hein. Voilà, Shiny Pot, voilà, ça c'est bon, 224, oui, parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas me faire un truc que je vais pas voir venir, mais ça va. Ok, baron, du coup, on va te déplacer. Là, et on va te déplacer toi aussi. Ok. Ensuite, là, en fait, il faudrait tout simplement mettre Shiny Baron. Ça serait peut-être un peu plus simple, enfin, un peu plus logique. Donc, on va mettre Shiny Baron. Non, tac. Du coup, là, on va mettre, on va renommer en Shiny Baron. J'ai marqué Shiny. Ah, majuscule. Ah, est-ce que je mets la majuscule? Non, shiny comme ça, shine, shiny, y, peut-être avec un S ici, genre, et, oh putain, oh je vais pas y arriver, est-ce que je vais y arriver à votre avis? Non mais c'est compliqué, hein, ce système où il y a 40 boutons à comprendre, c'est compliqué. Ensuite ça c'est pour déplacer, évidemment, je confonds les touches. Donc c'est... On va le mettre à côté de Shiny là. Donc on va même rendre ça plus logique. Voilà, ça sera peut-être un peu plus logique. Légendaire, légendaire numéro 2. Les Arbis. Je sais pas si on doit vraiment les garder les Arbis. Est-ce que c'est vraiment utile de garder les Arbis en fait? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est vraiment utile de garder les Arbis? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Différents numéro 1. Donc là, il y aura différents numéro 2. Sachant qu'on doit... On va... ouais. Sachant que on va devoir tout réunir au même endroit de toute manière. Ok, sachant que voilà, donc ensuite. Putain, mais toi, oh, t'es chiant. Mais vous êtes chiant. En fait, voilà, c'est, ça sera peut-être un peu plus propre comme ça. Toi, 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 ensuite, toi, là, toi. C'est type ci, donc autant mettre ça ici. Voilà, Théotipsipsi, comme ça on met lui là. Donc plus simple, on va mettre les choses comme ça. Et comme ça, c'est plus logique. Eh oui, c'est plus logique. Ok, 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 ok. Ensuite, ensuite, faut créer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi le Pichu, là, Pichu bizarre. Merci. C'est bon là? Shiny, 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 merci. Voilà. Comme ça, on a la Shiny Baron et on a le Shiny tout court. Ok, légendaire. Putain, c'est pas prévu. Hein. Bon, les amis, je pense qu'on le fera peut-être en deux vidéos. On est déjà à 30 minutes. Oui, vous savez quoi, on le fera en deux vidéos. Voilà. Donc, finalement, ben, vous savez quoi, je le compterai quand même comme appartenant à Castorno. Hein. Je tenterai quand même à la fin de la vidéo, parce qu'on a fait quand même un peu de Castorno au début. À la fin de la vidéo, genre, on va le diviser en deux parties, la vidéo, tout simplement. On va faire, du coup, un peu de Castorno.
Et ensuite, on partira. Non, d'abord, on va faire. Comment ça s'appelle la boîte, jusqu'à 15 minutes environ. Et ensuite, une fois qu'on aura fait de la boîte jusqu'à 15 minutes, on partira pour faire les castorneaux. Et comme ça, je pourrais bien définir le terme de l'épisode, en tout cas le titre de la vidéo et la miniature, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. C'était pas prévu, mais écoutez, hein, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Bon, bah, ça sera un truc à faire à moins à l'épisode 200 quand même. Que je ferai quand même un petit peu, peut-être. J'essaierai parce qu'à mon avis on aura fait quand même quelques tâches pour Kydex derrière, donc je pense qu'on fera quand même un petit peu, on rangera un petit peu, mais voilà, ça sera mineur, hein, le rangement. Donc voilà, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 178 et je vous retrouve d'ici dimanche les amis à 23h pour l'épisode 179. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.